to brag or boast, but I know I did the most to love you. C'est la course d'endurance mythique par excellence à laquelle tous les pilotes rêvent de participer évidemment. Cette année, cette édition a une valeur toute particulière pour moi parce qu'il n'était pas du tout certain qu'on soit au départ. Et grâce à beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'humanité, on a pu être présent au départ et c'est déjà une victoire en soi. Maintenant, on attaque la période de conduite. Et c'est clair que pour sa maman, pour moi, pour tous ses amis, c'est important, c'est toujours un peu émouvant. C'est toujours difficile d'aller vite avec n'importe quelle voiture. Et particulièrement de conduire un proto ici au Mans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des voitures magnifiques, ultra performantes, ultra rapides, sur un circuit qui l'est tout autant. En même temps, il est compliqué parce que c'est un circuit routier et donc il y a quelques pièges évidemment à éviter. Tous les relais sont bons ici au Mans, le petit matin est formidable, on voit le jour se lever, on a l'impression de sortir des ténèbres. La tombée de la nuit est aussi la rentrée dans les ténèbres, donc c'est assez intense. Mais chaque relais a sa particularité. Ce qu'on craint un petit peu dans un proto fermé, c'est la pluie parce qu'on a une très mauvaise visibilité. Elle a de très très bons paramètres. Elle est bien accompagnée, elle est bien assistée, il y a une très, très belle équipe. En ce qui concerne les pneus, je dois dire que le support de Michelin aura été une aide précieuse pour les performances et on s'en rend compte dans les temps des essais. On pourrait faire 5 relais et ça physiquement je pense que c'est très très dur. Personnellement je ne l'ai pas encore fait. On va voir si on s'en sent capable ici, s'il ne fait pas trop chaud. Mais ça c'est vraiment une particularité de Michelin, c'est qu'ils font des pneus performants et qui tiennent longtemps. Elle mène sa barque. J'ai pas de grands conseils à lui donner parce qu'elle est sur une autre planète que la mienne. Mais c'est une jeune femme courageuse qui a de la volonté. C'est pas un monde pour les femmes, ça c'est sûr. Mais elle se débrouille vraiment bien et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. La course à gagner ou à terminer et d'être présent déjà c'est un très très grand succès.